Oldie Games, les jeux vidéo d'autrefois, avec Dr. G. Salut à tous mes chers amis geeks et geekettes, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme pour mes 10 OST préférés. C'est parti pour ce podcast où nous allons parler des introductions dans les jeux vidéo et des musiques d'introduction dans les jeux vidéo. Alors je m'excuse, je suis un petit peu malade, donc j'ai la voix un petit peu détruite. Donc vous étonnez pas si vous avez, si vous entendez une voix malade dans ce podcast. Mais disons que si je n'avance pas et si je les fais pas, je le ferai jamais. Donc il faut quand même que je le fasse malgré ces petits soucis. Mais en tout cas voilà, je m'en excuse. Mais ça nous empêchera pas d'écouter des musiques de jeux vidéo qui nous ont marqués. Et le thème de cette émission, c'est donc les introductions dans les jeux vidéo. Et principalement les introductions sur les jeux sur CD. Parce que les introductions, ça date de très longtemps dans le monde des jeux vidéo, déjà sur disquette. À l'époque des disquettes, on avait déjà des introductions sur Amiga avec des jeux comme Another World, Flashback, et c'était terrible. Mais niveau musique, bah, on n'avait pas forcément, il y avait des introductions parlées, des choses comme ça, il y avait forcément de musique. On commence avec la PlayStation, avec Dragon Ball. Ah bah oui, fallait, la PlayStation, c'était la console qui a amené les petites introductions en dessin animé qu'on avait avant chaque jeu, avant certains jeux on va dire plutôt, comme les Megaman et les Dragon Ball. Et on va commencer tout de suite avec Dragon Ball Final Bout, avec Biggest Fight. C'est maintenant, ça fait plaisir, c'est génial et c'est tout de suite. We'll be right back.
Games avec Dr. G. Ah là là, c'est vrai que on avait dit qu'on ferait ces podcasts une fois par mois, de manière mensuelle, si c'était possible. Et c'est vrai que c'est de plus en plus compliqué, puisque maintenant je fais des lives quotidiens, donc c'est un peu plus compliqué pour pouvoir enregistrer des vidéos en off et des podcasts en off. Bon, de là à dire que je les ferai jamais, c'est façon de parler, hein, mais c'est vrai que faut que je le fasse là, il y a chaque fois un empêchement ou quelque chose qui fait prendre du retard. Bref, c'était Dragon Ball Final Bout qu'on a écouté. Alors, les musiques de ce jeu sont plutôt excellentes, et les bruitages également, mais par contre, dans l'ensemble, le jeu était plutôt mauvais. Et c'est bien dommage, hein, c'était un des tout premiers jeux de Dragon Ball en 3D, si c'est pas le premier d'ailleurs. Hein. Je pense que Dragon Ball Z Legend, c'est pas vraiment de la vraie 3D, donc voilà, c'était un petit coup loupé, hein, quand on avait du Tekken, des choses comme ça à cette époque. Voilà. Bref, alors j'avais dit que c'était la PlayStation qui a apporté ces petites introductions en dessin animé, mais non, il y avait le Mega CD avant, on en a déjà parlé, hein, lors de notre dernière émission, on a écouté plein de musiques de cette console, du Mega CD, et on avait écouté les musiques de Sonic CD, et oui, qui était le jeu le plus vendu sur le Mega CD, hein, évidemment, hein, chaque console Sega, c'est Sonic, hein. Et bien, à l'époque je parle, hein, surtout, voilà, à l'époque Mega Drive, Master System, Mega CD, c'était Sonic. Après, la Saturn, un peu moins. Bref, donc, au niveau de ce jeu Sonic, on va écouter l'introduction de ce jeu, qui est quand même assez connu, hein. You Can Do Anything pour la version japonaise de ce jeu, et européenne. Par contre, elle est assez courte. Elle dure à peu près une minute et quelques, donc c'est pas très long. Donc, je vous propose Sonic Boom, la musique d'intro de la version américaine, qui là dure quand même plus longtemps. Alors c'est la version chantée, la vraie version, hein, pas la version instrumentale qui est sortie par la suite. Voilà, qui est sortie dans la réédition de ce Sonic CD. Donc du coup c'est vrai que c'est 10 OST préférés, mais chaque fois on va un petit peu plus que 10 OST. Et c'est pour notre plus grand plaisir, et pour votre plus grand plaisir. Allez, Sonic CD, You Can Do Anything et Sonic Boom, c'est maintenant. Games. Supersonic flight, gotta keep it going. Sonic boom, sonic boom, sonic boom, keeps you running fast. Sonic boom, sonic boom, save the planet from disaster.
Les jeux vidéo d'autrefois avec Dr. G. C'était les musiques d'intro de Sonic CD, un podcast qui est cette fois-ci sponsorisé par Doliprane, on l'entend à ma voix. Alors on a parlé de la PlayStation, on a parlé du Mega CD, et bien on va parler maintenant des jeux PC sur CD-ROM. Et sur PC, à l'époque, les jeux que je jouais le plus, il y avait du Space Opera avec les Wing Commander, ça c'est sûr, on va en reparler d'ailleurs. Mais il y avait également les point and click. J'adorais les point and click sur PC. Et un de mes point and click préférés de l'époque, c'était Broken Sword. Broken Sword, voilà, qu'est-ce que je prononce mal. Pareil, je disais les chevaliers de Baphomet. Moi, j'appelais ça comme ça. Mais ça se dit les chevaliers de Baphomet ou les chevaliers de Baphomet? Voilà, dites-moi-le dans le commentaire. C'est parce que j'ai toujours dit les cheveux de Baphomet, mais Baphomet c'est peut-être 2 TE, alors qu'il n'y a qu'un seul T, donc c'est les cheveux de Baphomet. En tout cas, voilà, je crois que JDG appelle ça les cheveux de Baphomet. Un super jeu par Charles Cécile, qui avait fait également Stelsky, Benet Stelsky, dont l'introduction était absolument géniale, un petit dessin animé qui mettait... C'est ça qui était bien avec les intros dans les jeux. Ça nous mettait tout de suite en haleine, on savait... qu'est-ce qui allait se passer par la suite. On avait envie de jouer et de voir la suite, de voir qu'est-ce que le jeu allait nous faire découvrir. C'était très très important, les intros, évidemment. Ce petit dessin animé de l'introduction des cheveux de Baphomet était parfait pour introduire l'histoire de ce jeu, qui était plutôt excellent, un scénario vraiment très 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 bien. Et c'est souvent le cas dans les point and click, et la bande originale de ce jeu est plutôt géniale. On va écouter tout de suite la musique de l'intro des Chevaliers de Baphomet. De Baphomet. De Broken Sword. Enfin bref, on écoute ça tout de suite. Oldie Games avec Dr. G. Honnêtement, si vous fermez les yeux pendant que vous écoutez cette introduction qu'on vient d'entendre à l'instant, les chevaliers de Baphomet, vous ne voyez pas Paris, cette image de Paris qui est représentée dans le jeu, qui était magnifique, splendide. L'ambiance des chevaliers de Baphomet était excellente. Excellent, vraiment. On va rester sur PC, et on va parler cette fois-ci de ma saga préférée,
et de mon jeu préféré. Ah, si je dis ça, il y en a une paire de ma communauté qui savent très bien de quoi on va parler. C'est évidemment Wing Commander 4. Ah, Wing Commander 4, c'est et ça restera pour toujours mon jeu préféré. Mais vraiment, j'ai tellement adoré ce jeu. Et la musique d'introduction est tellement emblématique. Mais là, c'est clair, quand on regardait l'introduction de Wing Commander 4 et quand on écoute la musique de l'introduction de ce jeu, on se dit, c'est pas un jeu, c'est une super production de cinéma. C'est pas possible, ça pourrait sortir au cinéma. C'est magnifique. C'est magnifique. Et c'est pour ça que le film Wing Commander était un petit peu décevant, pour plein de raisons, hein. Mais également parce qu'ils avaient mis la barre tellement haute avec Wing Commander 4 que même le film est moins bien. C'est incroyable. C'est incroyable. Ce jeu est extraordinaire. Et on va continuer d'en parler parce que bah, on l'a fini plusieurs fois. Hein, on l'a fait en entier dans cette chaîne. Et ils annoncent un remake fait par des fans. Dès que ça sort, évidemment, je vais me l'acheter tout de suite. Il y a déjà pas mal de vidéos qui circulent sur Internet. Il y a un site, etc., etc. Donc il y a un remake qui est en préparation. Et ça, bah, on le refera, évidemment. Par contre, ça sera peut-être pas sur cette chaîne. Comme c'est un remake, on la fera peut-être sur l'autre chaîne, histoire de faire découvrir ce jeu à d'autres personnes qui font pas forcément de rétro gaming. Bref, en tout cas, c'est la musique qu'on écoute tout de suite. Voici l'introduction de Wing Commander 4. Et voilà, c'est génial, c'est excellent. C'est mon jeu préféré, Wing Commander 4. Oldie Games. Oldie Games. Oldie Games. Avec Dr. G.
Alors, Wing Commander 4, c'est mon jeu préféré, mais il y a aussi des éditeurs et des développeurs que j'adore. Et très très souvent, j'achète des jeux quand ça vient de eux, tout simplement. Et c'est Capcom. Les Resident Evil, j'ai adoré. Les Street Fighter, tout ce qui était Capcom. À un moment donné, dans ma collection, j'avais quasi que du Capcom. Bref. Et une saga de Capcom que j'adore, même si elle est particulièrement difficile, c'est les Mega Man. Les Mega Man, j'ai toujours adoré. C'est des jeux qui étaient donc difficiles, comme je l'ai dit, et qui étaient assez rares. Même pour l'époque, déjà, les trouver, c'était compliqué. Et la version PlayStation de Mega Man était géniale. Pour moi, c'est mon Mega Man préféré. Mega Man tout court, hein, je parle pas Mega Man X. Mon Mega Man préféré, c'est celui de la PlayStation, c'est Mega Man 8. Et j'avais eu beaucoup, beaucoup de mal à le trouver à l'époque. Je l'avais trouvé totalement par hasard dans un magasin à Metz. Ils en avaient qu'un seul. Je l'ai tout de suite acheté. Je m'en souviens très bien. Et voilà, et ce jeu, génial. J'avais réussi à le finir quand même. Hein. Pourtant, il était assez dur. Je suis sûr que je le refais aujourd'hui, j'y arriverai plus. C'est clair et net. Mais voilà, l'introduction au dessin animé. Plein de petits passages en dessin animé. Et ça, j'adorais. On avait l'introduction au dessin animé pour montrer de quoi le jeu allait parler. Quand on appuyait sur Start, on avait la vidéo de l'histoire du jeu qui était en dessin animé. Et ensuite, quand on avait vaincu les 4 premiers Robo Masters, on avait encore un dessin animé. Et on avait encore un dessin animé à la fin. C'était génial. Génial, génial, génial. C'est pour ça que ça m'avait un petit peu déçu Mega Man 11. Parce que les graphismes étaient en 1080p, ça c'était cool, on attendait ça depuis longtemps. Mais ben, pas de dessin animé, rien. Rien, rien, rien. Même la fin, on avait fini le jeu. Bon, le jeu est bien parce que c'est du Mega Man, mais voilà, moi ça me manquait de ces dessins animés, ça me manque, ces petits dessins animés qu'on voyait avant chaque jeu. Ça revient un petit peu hein, maintenant avec les Street of Rage et les Tortues Ninja qui vont être réédités, qui vont revenir avec Revanche de Shredder. Ça fait plaisir parce que bah, ça nous manque. En tout cas, on écoute tout de suite l'introduction de Mega Man 8 sur PlayStation. Les jeux vidéo d'autrefois avec Dr. G. Allez, retour avec ma saga préférée, les Wing Commander. Et j'ai commencé cette saga avec Wing Commander 3. Alors là, c'était sur PlayStation. Je l'avais vu sur PC chez mon ami d'enfance à l'époque. On l'avait fait sur PC. Mais quand j'y ai joué, quand j'ai eu le jeu personnellement, c'était sur PlayStation. D'ailleurs, les graphismes sur PlayStation au niveau des vidéos étaient plus jolis que sur la version PC. Et les versions 1080p de Wing Commander 3 sont tirées de la version PlayStation et non de la version PC. Pour la petite histoire. Mais pendant le jeu, quand on est dans les combats et tout, évidemment, la version PC était par contre plus jolie que la version PC. Que la version PlayStation. Et donc on va écouter tout de suite cette musique qui est tout aussi grandiose, hein, qui fait super production. La bataille finale contre les Killerati après des années de conflit. Voici l'introduction de Wing Commander 3, Heart of the Tiger.
vous êtes à l'écoute d'Oldies Games, le podcast avec mes 10 OST préférés. Et pour cette émission, on parle des introductions dans les jeux vidéo. Et je le répète à chaque fois, évidemment, il s'agit des jeux que je connais et que j'ai joués. Mais il y a peut-être d'autres musiques de jeux que vous aimez. Et d'ailleurs, je lance un appel. Si vous voulez participer à l'émission mes 10 OST préférés, vous pouvez m'envoyer la musique que vous voulez qu'on passe. Et vous pouvez même me laisser un petit message audio que vous m'envoyez par Facebook, par exemple, par message sur mon Facebook DrJ57. Vous m'envoyez ça et je le passe dans l'émission. Et on se fera non pas mes 10 OST préférés, mais vos 10 OST préféré. Majin C, par exemple, avait commenté beaucoup de musique qu'il adore. Eh bien voilà, n'hésitez pas, et à ce moment-là, on fera, quand on en aura 10, eh bien on fera vos 10 OST préférés, parce que vous aussi, vous avez vos musiques que vous préférez. Eh bien là, on passe de ma saga préférée à Capcom, on l'a fait tout à l'heure avec Wing Commander 4 et Megaman 8, et bien là, Wing Commander 3, et maintenant Megaman X, avec la musique d'intro de Megaman X5, qui est de tous les Megaman X, une de mes musiques préférées en matière d'introduction. Même si c'est pas mon Megaman X préféré, mon Megaman X préféré, j'ai adoré le 4, oui, tout à fait, sur PlayStation, je suis en train de réfléchir, et le 1. Le 1 est mythique, totalement mythique, ça c'est clair. Donc, le 1, il est absolument génial, même sa version remake qui était sortie sur PSP, Maverick Hunter. On en avait parlé aussi sur cette chaîne. Allez, introduction de Megaman X5, c'est maintenant. Oldie Games, pour le geek qui sommeille en vous. Alors, vous pouvez m'envoyer vos messages donc sur Facebook, sur la page hein, DrJ57. Si c'est un peu compliqué d'envoyer au privé, parce qu'il faut trouver où on peut envoyer des messages, vous pouvez m'envoyer par mail. Donc, à l'adresse oldiesgames.tv@gmail.com, oldiesgames.tv@gmail.com, en espérant que, bon, normalement, un fichier audio, ça devrait passer. C'est un peu compliqué d'envoyer des fichiers maintenant de nos jours, parce que, ben voilà, il y a toujours peur soit des virus ou quoi. Ou sur Discord, hein, également, et c'est DrJ, voilà, tout attaché, avec un J majuscule. Et là, pareil, en privé, vous m'envoyez votre petit fichier audio, ça peut être sympathique, pour participer à vos OST préférés, donc du rétro gaming, ça peut être tout, hein. Faites-vous plaisir, allez-y. Voilà, allez, on continue. On a parlé de la PlayStation 1, nous avons parlé du Mega CD, nous avons parlé du PC CD-ROM, mais on n'a pas parlé de la PlayStation 2. Ah, c'est du rétro gaming quand même, hein. Alors on va en parler tout de suite. Avec, il y a beaucoup d'intros hein, sur PlayStation 2, il y a eu beaucoup d'intros dans le monde des jeux vidéo de toute façon. Hein. C'est pour ça que c'est toujours difficile hein, de faire un classement et de trouver les 10 meilleurs. Mais on va partir sur du Dragon Ball Z Budokai. C'était terrible, il y avait les Budokai et les Budokai Tenkaichi. Et là, pareil, parmi toutes ces intros, c'était compliqué de trouver ce que je trouve être la meilleure. Et pour moi, c'est Dragon Ball Z Budokai 3. Alors attention, Dragon Ball Z Budokai 3, pas Tenkaichi 3. Je parle de l'intro, hein. On écoute la musique tout de suite de ce jeu DBZ Budokai 3. En sachant que DBZ Tenkaichi 3, par contre, lui était un des meilleurs, voire le meilleur jeu Dragon Ball Z de tous les temps. Allez, introduction DBZ Budokai 3.
で純白の雲を見下ろす遥かな空まで解き放って自由な魂風に乗って Ils étaient classe, les openings des jeux Dragon Ball Z, c'était terrible. On a eu Biggest Fight en début d'émission, et là cette intro de Budokai 3, c'était vraiment excellent. On va rester sur PlayStation 2, on va partir sur un autre type de jeu de PS2, mais qui était tout aussi extraordinaire. Si je vous dis Kojima, eh bien là, vous savez que ça va être du grandiose et que ça va être un jeu exceptionnel. Et que ça va être du Metal Gear. Voilà, surtout pour l'époque, c'était principalement du Metal Gear. Avec le premier Metal Gear sorti sur PS2, Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty. C'était terrible, je suis très content de les avoir retrouvés. Je les avais à l'époque, je les avais vendus et je les ai retrouvés. Le 2 et le 3 sur PlayStation 2 et le premier sur PlayStation 1 de Metal Gear. Solide, attention c'est très important, pas Metal Gear tout court, parce que les premiers Metal Gear, bah, c'était la NES, voilà. Et en tout cas, ce Metal Gear Solid 2, c'était terrible, des musiques extraordinaires, comme à chaque fois, du grandiose, avec un scénario hallucinant, parfois assez compliqué. En tout cas, voilà, on écoute tout de suite la musique
d'introduction de ce jeu Metal Gear Solid 2, c'était terrible. Vous allez voir, des frissons en écoutant ça. Et après, on sera déjà à la fin de l'émission. Eh oui, déjà. Allez, Metal Gear Solid 2. Kojima. Oldie Games, les jeux vidéo d'autrefois, avec Dr. G. Et voilà, on arrive à la fin de ce podcast sur mes 10 OST préférés avec les introductions dans les jeux vidéo. Une émission qui, je rappelle, est sponsorisée par Doliprane, tellement je suis malade. Alors, c'est une blague, évidemment, hein, prenez pas ça au premier degré. Non, non, Doliprane me donne pas de pognon. Aucune marque me donne du pognon, d'ailleurs. C'est moi qui donne du pognon aux marques, plutôt, pour acheter. C'est malheureux, tout ça, c'est malheureux. En tout cas, j'espère que cette émission vous a plu. On va écouter encore une dernière musique, évidemment, même deux, comme à la coutume. Hein, c'est toujours plus que 10 OST. Je dis 10 OST, mais parfois, même souvent, régulièrement, je vous fais des petits bonus. Voilà. On a parlé tout au long de l'émission de jeux sur CD. Voilà. Et j'ai dit c'était principalement. Enfin, voilà. J'ai dit qu'on allait parler principalement sur CD. Pourquoi ? Parce que maintenant on va parler d'un jeu sur disquette qui existe aussi en version CD, mais sa première version
était sur disquette. Je veux parler de Stelsky. Beneath Stelsky, qui était sorti sur Amiga, qui était sorti sur PC. C'était génial. Encore du Charles Cecil. C'était le jeu qui était sorti avant Broken Sword. Et c'est donc le même réalisateur. Et avec Robert Foster, voilà, un excellent, excellent, excellent jeu point and click, aventure point and click. D'ailleurs, il y a la suite que vous pouvez retrouver sur Steam, et même sur console, hein, il me semble. Beyond Stelsky. Je suis en train de le faire en off. Ça fait très, très, très plaisir de retrouver Robert Foster et tous les personnages, Joey, qui était le robot, dans... De les retrouver, voilà, ça fait super plaisir, y'a que ça à dire. Donc on va écouter l'introduction de ce jeu, Stelsky. Alors, il y a le thème de l'intro, il y a d'abord l'introduction parlée, où on voit tout ce qui se passe, et ensuite on a la musique. À savoir que ce jeu était sur 15 disquettes sur Amiga, oh, c'était énorme. À l'époque on n'avait pas de disque dur, en plus c'était un truc de dingue, fallait changer de disquette à chaque fois, et quand on a eu le disque dur, fallait installer le jeu, c'était génial, je me disais putain, pas besoin de changer de disquette. Bref, une autre époque, je vous dis, une autre époque. Et dans la version Amiga, si je me souviens bien, l'introduction était beaucoup plus courte que la version PC, parce que l'intro était dans le manuel du jeu, c'était une petite BD. D'ailleurs la BD avait été dessinée par un dessinateur de Watchmen, je sais plus le nom, mais en tout cas, le dessinateur de Watchmen qui a designé le jeu et qui a fait la BD que vous retrouvez dans le manuel. Voilà, donc on écoute l'introduction de Stelsky et l'introduction de Rayman 2, parce que l'introduction de Rayman 1, elle est essentiellement parlée, donc c'est des musiques qu'on entend également dans les niveaux du jeu. Donc plutôt l'introduction de Rayman 2 qui est très très jolie aussi, qui fait aussi un peu dessin animé comme ça, c'était vraiment... très sympathique. Les premiers Rayman étaient vraiment terribles. Terrible. Ça s'est dégradé ensuite avec les lapins crétins, je trouve. Et ils sont revenus avec Rayman Origins et Rayman Legend, qui a vraiment bien rattrapé un petit peu ces histoires de lapins crétins qui m'ont un peu gonflé à l'époque. Je dois vous l'avouer. Voilà. Là, on parle de choses totalement perso, mais voilà. Je trouve ça dommage qu'ils ont remplacé Rayman, et heureusement qu'il est de retour. Donc voilà, Stelsky, l'introduction, Rayman 2, l'introduction. Merci à tous d'avoir suivi cette émission, encore désolé d'avoir que vous entendiez ma voix avec un mot de gorge, je suis désolé. Mais comme ça, vous avez l'émission à temps, et ça ne dure pas des mois et des mois pour vous faire ces podcasts. J'espère en tout cas que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à la petite cloche pour être au courant de toutes les vidéos. Et rappelez-vous, vous pouvez également écouter l'émission sur le site Oldies Games Radio, le site Wix Oldies Games Radio. Vous pouvez les écouter et les télécharger totalement gratuitement. Voilà. Donc si vous êtes sur YouTube, la description est dans la vidéo. Voilà, j'avais oublié de vous le dire ça. A très bientôt. Prochain rendez-vous, normalement, ça sera les boss numéro 2. On va encore reparler des boss. Voilà, et on fera... vos 10 OST préférés, c'est prévu aussi. Ouais, autant d'enregistrer tout ça, quoi. Allez, prenez soin de vous, à très bientôt. Salut, ciao, merci à tous, bye bye.
Games avec Dr. G.